Rebonsoir les amis, bienvenue pour la vidéo de dernière minute pour le quintet de demain. Alors avant ça, il y avait une course aujourd'hui, samedi 14 mai à Caen, réunion en course 3. Départ a lieu à 15h15, 13 partants, car le 12 était non partant, sur 2450 mètres. L'arrivée était 13, 6, 11, 9, 14. Ma dernière minute, le 13, gagne la course, à plus de 7 contre 1. Bon, mon coup de cœur le 10, c'est dommage, il n'est pas là, mais mes deux coups de poker... que je vous donnais encore aussi, le 6 qui arrive deuxième et mon 11 qui arrive troisième. Donc là aussi, il y avait moyen de toucher le tiercé en 4 chevaux dans l'ordre, car je vous donnais le 13 en dernière minute, le 10 en coup de cœur et mes deux coups de poker, le 6 et le 11. Donc voilà, là aussi, il y avait moyen de toucher les couplets gagnants placés, encore la boule, comme je vous ai dit. Je vous ai dit de partir sur des couplets gagnants placés, soit avec le 13, soit avec le 10, le reste de ma sélection. Voilà, le 13 gagne la course encore. C'est pour ça que je vous dis que la vidéo de dernière minute sert à beaucoup de choses. Si vous regardez, ça fait maintenant 7 jours de suite que soit moi, dernière minute, ou mon coup de cœur gagne la course. Donc on part avec de très bonnes bases dès le départ. Ce qui est très important pour un pronostic. Voilà, si, même si vous ne m'écoutez pas, entre guillemets, avec le reste de ma sélection, mais si vous prenez mes bases avec vos chevaux, peut-être que vous... Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Alors pour demain, le dimanche 15 mai, ce sera à Longchamp, réunion à course 4, départ à 15h15, 1600 mètres, 15 partants. Donc une très belle course, hein. En fait, très attention, jouez très peu demain. Indice de confiance 2 sur 5 demain, à part sur mes 3 chevaux. Après le reste, hein, comme je dis, si vous regardez la musique de tous les chevaux, ils sont capables d'être à l'arrivée. Hein. Alors ma dernière minute sera le 8 caché de Doyle. Mon coup de cœur sera le 6 Désimési de Grégory Benoît. Et mes deux coups de poker seront le 14 Toy de Moore et le 3 Times Square de Maxime Guyon, qui ne sera pas dans toutes les sélections, ça je vous le garantis. Donc ma dernière minute, le 8. Mon coup de cœur, le 6. Et mes deux coups de poker, le 14 et le 3. Pour la vidéo du quintet, si vous voulez partir avec juste des couplets gagnants placés ou 2 sur 4, vous prenez la base soit du 8, soit du 6. Après, vous faites vos jeux, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même faire des tiercés, hein, avec une base, 2x. Voilà, c'est avec 6 ou 7 chevaux derrière, des fois, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas, voilà, et faites tourner vos bases surtout. Moi, aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, les bases que je voyais, c'était ça. Le 13, 10, 6, 11. Donc, j'ai fait tourner mes bases, voilà, il y a eu tiercé dans l'ordre, multi en 5. Bon, le quintet, comme je vous ai dit, hein, je raffole pas trop. Je donne mes pronostics. Voilà, dans des champs réduits pour ceux qui me l'ont demandé. Mais si vous regardez les rapports du bonus 3 et du tiercé dans le désordre, il n'y a encore aucun rapport. Donc même si je trouve que ça n'a pas trop payé, malgré qu'il n'avait pas le 14 et le 7 dans les 4 premiers. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Hein, quand même, tiercé dans l'ordre, carté dans l'ordre, allez voir. Hein, carté dans l'ordre qui fait 900 euros. Voilà, pour 1 euro, alors que les jeux sont pour 1,30 euro. Donc voilà, il y a moyen de toucher quand même, d'aller voir la belle petite caissière aujourd'hui. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous allez encore gagner demain. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à demain.